Alors 2013, c'est une grande année pour Fence parce que ça va être d'abord la 25e vente Elite. Ça fait un bail, il y a un quart de siècle. Les deux grandes nouveautés, c'est le fait qu'on adjoint une vente de sélection à la place du marché le week-end suivant la vente Elite. Et puis la deuxième grande innovation de 2013, ça sera le lancement à l'automne d'une vente de performeurs qui vont être sélectionnés en tout début d'automne et puis mis en ligne et mis en vente pendant tout l'hiver, et ça se terminera par une vente aux enchères. Alors l'élevage des blés, d'abord j'en profite pour faire un coucou et un grand merci à Liliane qui nous accueille toujours aussi bien et chaleureusement. Là on est reçu chez elle dans le décor de son salon. Ça a été un très bel accueil, ça a été une occasion de revoir l'élevage des Vosges, de Lorraine, d'Alsace, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éleveurs qui se donnent rendez-vous ici. On a vu hier une trentaine de 2 ans, aujourd'hui une quarantaine de 3 ans et des pistes sérieuses pour des recrutements pour la vente Elite et puis pour cette vente de sélection du week-end suivant. I turn it on, I set the tone, I don't know, I'm ready to go. I saw you looking up against the wall, and I knew you were ready to go. Tonight, I'm a different guy. Forget about the things you know. If you wanna do it, we can do it right. I can see you coming home, 'cause I'm ready to go. Is that a yes or... Alors cette année, l'équipe s'est renforcée avec Benjamin Guelfi, qui vient de subir son baptême du feu à la fois dans les tribunes comme sélectionneur et puis en brainstorming, puisqu'on vient de passer une heure pour mettre au point un petit peu les grands éléments du mécanisme de la vente de performeurs. Donc il a pu à la fois regarder comment ça se passait et puis apporter sa pierre à l'édifice. Il représente un petit peu l'avenir et c'est probablement lui que vous interviewerez pour la 50e vente en 2038.